Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, la suite de Lecto One avec les numéros 108 et 109. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si cette collection vous intéresse. Comme d'habitude, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner et le lien du groupe Facebook de construction. Et 109 de Lecto One. Note 108. Donc le réflecteur arrière droit extérieur. Notre pas à pas, notre résultat final. Créer une scène. Les clochards. Lecto 101, le compsy. Note 109. Donc les dernières pièces pour l'empennage arrière droit. Note pas à pas. On va venir mettre ça sur la carrosserie. Note vue finale. Visage de Vigo. Milbonne, le numéro 109, et les pièces de notre 110, on commencera l'aile arrière-gauche. Note 108, on commence par prendre notre pièce D. On vient derrière ici. On met notre pièce B en place. Comme ça ici. Note A ensuite par-dessus. Et on y met deux vis AP. On retourne, on vient de ce côté-là. On voit qu'il y a trois encloches sur notre pièce C. On vient la mettre comme il faut ici. Et on va y mettre trois petites vis RP. On vient mettre notre pièce E au bout, juste ici. Juste à l'enfoncer. Il n'y a pas de décrompeur. On vient sur notre carrosserie à l'arrière. On va remplacer la vis VM qui est là par une WM. Et pareil de l'autre côté. Et donc voilà pour ce numéro 108. On prend notre pièce A. Notre B. Donc on voit qu'il y a un petit décrompeur juste ici. On vient la mettre comme il faut. Et on la tient par l'intérieur avec une vis AP. On vient mettre notre pièce C au bout. On va ensuite sur le châssis, on récupère les feux, la lettre de feu arrière marquée R. Donc on prend celle qui est toute seule ici. On vient la brancher à l'intérieur là-dedans. On récupère ce qu'on avait fait dans le numéro 107, je crois, oui. On va déjà venir, quand on est comme ça, emboîter notre deuxième LED à sa place. Donc on vient fermer ça avec cette partie-là. On va venir mettre trois vis NP, donc ici, ici et ici.
On prend ensuite notre pièce D que l'on vient mettre juste ici. Et du coup, on le tient à deux vis EM. On vient ensuite sur nos telles. On va mettre nos pièces F. Par ici. Et ici. On les tient avec des vis XM. On vient mettre notre partie par-dessus ici. On va la tenir en haut avec trois vis DM. On vient placer notre pièce E juste ici. On la tient avec 3 vis EM également. On vient placer notre feu derrière. Voilà pour ici. On vient placer notre câble ensuite dans les supports qu'on a mis. On leur fait descendre ensuite vers le bas. On va ensuite retourner ça. On va y mettre des vis, donc déjà 2YM. Ici pour tenir. On fait attention surtout de bien passer notre câble dans l'emplacement ici. 6, 7. On va mettre 7 NP ensuite. Donc 2 ici, 2 ici, 2 là et 1 là. On va déjà mettre en haut pour bien plaquer. On met ensuite 5 vis NP tout le long en bas. Et donc voilà. Donc on va pouvoir venir ensuite retourner ça. Et voilà, ça y est, notre telle est installée. Donc ça rend vraiment superbe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Pour ça, s'abonner, liker, partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!